Won't somebody tell me and answer if you can? I want someone to tell me what's the soul of a man. Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le cinquième épisode de mon Let's Play sur le jeu Mad Max, et c'est la galère un petit peu, c'est un peu la galère, mais ça, on avance. Donc dans cet épisode, l'objectif est déjà de passer par ce ballon, ce poste d'observation ici, découvrir un peu ce que nous réserve cette zone, ça sera un peu plus simple, et ensuite on ira à la passe des terres arides, qui permet de passer justement aux terres arides, qui permet ensuite d'arriver à Pétroville pour continuer l'histoire. Sauf que je pense que ça va être compliqué étant donné la gueule du truc sur la carte. Je pense que ça va être un sacré morceau. Enfin, on va y aller. On est parti. Tiens, je suis plus à 100% en fuel, donc faudra pas que j'oublie de remettre un petit peu d'essence. Alors. Ah ah, la Ferrari. Ah, bon, bah, on va peut-être le laisser parce que la dernière fois c'était la galère. Donc on va directos passer au filon. J'ai l'impression qu'il y a toujours de la ferraille quand on sort du fort, c'est un peu craqué. Ah bah il y a un truc, voilà. Il nous a pas vu, ça a l'air d'aller. Alors le ballon est ici, j'espère qu'il y a personne. Il a l'air d'avoir personne. Ah merde, si, il nous a vu. I'm going, wait here. Of course I will. If you have to leave me here. Boum. Normalement ça a dû le tuer au passage. Nickel. J'ai bien visé. D'accord, ça fait rien du tout. Si on n'a pas de vitesse à nitro, ça sert à rien. Voilà. Oula. Fait d'essence en flamme. Ok. Ah donc. Cette histoire de ballon, est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? On doit pouvoir quand même. Sinon il n'y aurait pas un ballon. Il y a des câbles qui sont tendus venant de là-haut. On peut venir par un endroit? Je sais pas trop par où on peut passer en fait. On peut pas remonter par ici, c'est un peu bizarre. On doit pouvoir rentrer par un. Ah ah, j'ai l'impression qu'il faut ouvrir ça avec un grappin. On va aller voir ça. Je vais récupérer la voiture et utiliser le harpon pour essayer de l'ouvrir. Un caillou. Non, ça marche pas comme ça. Ou alors je suis juste idiot et je crois que je viens de voir un passage. Mais ouais, il y a un passage en plus. Non, je suis juste idiot en fait. C'est tout. C'est juste moi qui suis un abruti fini. Alors, c'est par là. Non, saute pas, évidemment. Réflexe de Far Cry. Donc c'est à peu près le même style de jeu. Un peu de ferraille. Ça va. Il y a une porte. C'est plus une porte. Ce fut une porte, c'en est plus. Alors là il y a des munitions, ce qui est une bonne nouvelle. J'en avais moins. Et oh. Alors on va monter dans le ballon hein. Allez, on est parti. Panne de carburant? Ah oui, il y avait un jerrycan juste à côté, on va aller chercher le jerrycan. En espérant qu'il y en a assez. Non merde. Oh merde!
Alors normalement il va faire boom, il y en avoir un qui va réapparaître à sa même place. C'est ça. Je trouve ça complètement pété. On peut pas. Je vais les remplir. Vous voulez pas me le remplir là? D'accord. On est censé pouvoir remplir un peu d'essence. On peut pas le mettre directement à partir d'ici. Ce serait bizarre. Surtout quand il y a un entonnoir qui nous dit remplis-moi là. Ah bah si. What? Alors je comprends pas le truc là par contre. Pourquoi on remplit à partir d'ici? Alors qu'il y a un entonnoir là-bas. Du coup à quoi sert le machin qui est là-bas? Attendez, c'est... quoi, c'est contrôle pour sauter? Ah oui c'est vrai qu'il a un saut à la Lara Croft. Allez, on peut monter. Donc, nous sommes dans quelle région? On voit Petroville là-bas au fond. La plaine du Brasier. Ok, la forteresse ici, il y a un épouvantail ici, un sniper. Camp de transfert. Un autre camp de transfert. Sniper. J'ai cru qu'il nous avait vu d'ailleurs, parce que là on fait une grosse cible. Très jolie cible pour tout le monde. Je crois que c'est bon, on a fait le tour. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir fait un tour sur moi-même. On doit y être. Alors. Est-ce qu'il manque des trucs? Ah, si, il manquait des trucs. Il y a un épouvantail. Épouvantail. Il n'y avait pas un point là? C'était plus à gauche. Une station de pompage. Ah, il est loin la station. Je crois qu'on a fait presque le tour. Il y a un épouvantail. On n'a rien oublié. Ah, ça a l'air d'aller. Ok, on va pouvoir y aller. On peut redescendre. Je crois que la gueule de ciel est là-bas. Ah oui, l'essence, ça descend vite. Là. Je regarde la jauge. Elle était pleine, on est presque à la moitié. Allez, casse-toi. Je vais pouvoir redescendre. Là, il faut un barbecue. On va utiliser la tiro. Tu peux pas l'utiliser là? Ah si. Voilà. Par contre là ils sont quelques-uns. On va se méfier. Donc maintenant direction. Ben. Cet endroit là, la passe des Terrarides. On va y aller. Il y a un autre ballon là-bas, on pourrait peut-être passer voir. Camp en alerte? Quel camp? Il y avoir un camp pas loin. Aïe! Et qui me tire dessus là? Quelqu'un qui me tire dessus. Je me cache, on va essayer de prendre le ballon avant d'y aller. Il n'y a pas d'affaire ici? Non. Question c'est... défense en mode guerre, mais c'est où? Les mecs qui me disent qu'il y a des défenses en mode guerre, mais elles viennent d'où ces défenses? Ah. Il va pouvoir monter quelque part, je suppose que c'est par là. Ok, ça doit être là.
Ouf. Mec avec son chapeau de paysan. Ah, c'était peut-être toi alors. C'était peut-être lui en fait. Alors. Ouais, il y a assez de gaz, on va pouvoir y aller. Ah, on doit détruire les câbles. Ah. Détruisez les attaches de câbles. Évidemment. Je pense qu'il faut utiliser la voiture. On va détruire les attaches. Non mais le pont là-bas, il me fait vraiment penser au Golden Gate. Faut voir combien il a de... passage. Les pipelines. Ah oui. Le nom, effectivement. Combien le Golden Gate a-t-il de poteaux. De poteaux de soutien. Une course à la mort, une station de pompage. Un épouvantail, un sniper. Un épouvantail. Zoomer. Donc c'est là-bas qu'on doit aller. Un épouvantail. Un autre épouvantail. Un sniper. Ok, je pense qu'on a fait une partie du tour. Y'a rien là? C'est bizarre. Je pense que j'ai dû louper des trucs. J'en ai loupé deux. Et un juste en bas. Ah oui, si, y en a quelques-uns. Il y a une course à la mort. Je me souviens avoir loupé un truc à droite. Un épouvantail. Non, c'est carrément de l'autre côté. Un épouvantail et un sniper. Ouais, quand même un peu plus de trucs. Même s'il y a l'air d'avoir des gros trous avec rien du tout de visible. Bon, et eh ben, on va faire avec ça. Ah, et donc c'est eux qui sont passés en mode défense de guerre. En espérant qu'il m'oublie un peu. Allez, on va y aller. On va directement se passer à la passe. Allez, descendre là. Et on y va. La voiture qui est ici. Ok, on est parti. Ah, d'accord. Ouais, sauf que là, je me suis bien bloqué comme un idiot. Ah ah. Oui. Oh, bah, c'est cool, ils ont eu peur. Je m'attendais pas à ça, je pensais pas qu'il pouvait avoir un peu peur. Wow. La bagnole qui fait des bons. D'accord, les épouvantails solides, il faut y aller quand même. Ah, il a laissé des trucs. Y'a quoi sur ce... Ah, c'est des corps, c'est crado quand même. C'est quand même un poil crado. C'est des gros tarés de toute façon. Tous des gros tarés. Allez, on y va. Finir par atteindre cette passe. J'ai pas réussi à les tuer, c'est pas grave. Ah oui, il y a l'air d'avoir pas mal de snipers. I see them. I can take them out with the sniper rifle. The what? The long shot. No. I have a few rounds. Make them count. Ok, comment je... Ah oui, c'est deux. Oh, c'est un. On peut pas zoomer? Si, on peut zoomer. On zoome que dalle. Oh la vache, j'arrête pas de rater mes coups.
Mais touche-le. Et je tire dessus. En plus je me fais défoncer. Oh la vache, je suis obligé de boire. Je suis en train d'exploser toutes mes munitions sniper pour un imbécile de sniper qui sait trop bien viser et que moi j'arrive pas à toucher quoi. On va se rapprocher un peu. Voilà. Ok, j'ai pas compris, je devais être légèrement trop loin pour le jeu. Par contre du coup j'ai plus un seul tir de sniper, j'ai tout caché. Ouais, tout casse. Tout gâché, voilà, je vais y arriver. C'est un peu dommage. Alors. Ça passe. J'ai vu de la ferraille juste en dessous. Ils m'ont entendu. C'est un vrai labyrinthe. Ceinture de munitions pleine, évidemment, il faudrait que j'en achète une. Allez, come on. Je tape dessus quand même, je tape sur le bouclier et je le défonce. J'arrive pas à taper dans le vide, ce qui est pas cool du tout. Voilà. Et j'ai pas pris un seul coup. Donc je monte en haut. Ce qui est un pléonasme. Alors. Il y a des balles aussi, mais de toute façon je peux pas. Ah, c'est peut-être les balles de sniper. Ça, par contre, je vais quand même les prendre. Ouais, c'est des balles de sniper. Ça, c'est bien. Parce que j'en ai pas des masses non plus. D'accord. Ah, il y avait quand même quelque chose. J'ai cru que ça servait à rien. C'est par là. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, d'accord. That must be it. We're not ready to take that on. Not without some preparation. C'est solide, ça a l'air sympa. Il y a une, deux. Quelques voitures, des totems, tout ça. Ah oui, non, c'est... C'est solide comme passage. Il y a plein de trucs. Alors, si on s'y attaque, si on s'attaque maintenant, ça va être la merde. Hein. Tenez voir, chum. Y'a pas une tyrolienne ou un truc comme... Ah, si, y a une tyrolienne. D'accord. Va falloir améliorer la bagnole en fait. Hein.
Ah si, il y avait de la ferraille, je vais juste la prendre avant de partir. 3 sur 5, c'est pas très grave. On va pouvoir retourner voir Chum. Et hop, on y est. Your plans for this car, building it up. You gotta do it before we can get past the jaw. These black fingers are ready to dance, Saint. Oh, yeah. And I know just the steps too. It's called the Jack, a wasteland classic. And often our chances of survival grow tenfold. Then the harpoon. Soon, soon. But she needs the basics first, huh? The car's weak. Agreed. Let's return to Jeets first, huh? And I'll show you the plans. Ok, bon bah on y va. La folie. Ok, c'est bien. Est-ce qu'on peut rentrer en voyage rapide? Ah, on peut déplacer rapidement. Ah d'accord, on peut déplacer au ballon sonde rapidement. Ah, c'est cool ça. Ça permet d'aller plus vite. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Here it is, Saint. My plans for the Jack. Oh, she'll be perfect. Speed, power, tenacious durability. Take a look, see. Take a look, see. Les archanges, comme la Jack, sont des magnum opus très spéciales que Chum vénère. Pour commencer, accéder aux archanges. Je vais ici la catégorie archange. Qu'est-ce que c'est que ce truc? F. What the fuck? C'est quoi ça? En sélectionnant cette catégorie, vous verrez les améliorations nécessaires. Le vert indique celles qui sont en votre possession, le rouge celles qui ne sont pas. Choisissez la Jack pour connaître les conditions d'obtention des pièces nécessaires. Qu'est-ce que... Je comprends pas tout là. La Jack, capable de tout, elle est prête à entreprendre les plus terrifiants des quêtes sacrées, mais méfiance et j'en sais long sur bien des choses. Et... On peut bidouiller des trucs, je comprends pas là. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de faire des trucs là. Ah d'accord, doigt rose. Ah, on peut faire de nouvelles bagnoles. On peut faire de nouvelles bagnoles d'après ce que j'ai compris. Et on peut y installer des améliorations. C'est juste des coques en fait. Là par contre il va falloir les acheter pour les obtenir. Ah non, elles sont bloquées. D'accord, accélération du V6 standard. Vitesse de pointe par défaut augmentée de 1%. Amélioration de l'adhérence globale de 5%. Ah ouais, donc en fait ce sont des modèles de voitures auxquels on peut rajouter des trucs. Par exemple ici je pourrais rajouter un V6 mini en échange de 6 de ferraille. Voilà, de 100 de ferraille, pardon. Et là, je peux pas le débloquer parce qu'il manque des pièces. Ah non, c'est pas parce qu'il manque des pièces, c'est parce que j'ai pas trouvé le modèle. Des pièces manquantes, ça doit être... 8. 8 pièces manquantes. Mais alors, c'est quoi les pièces manquantes? J'allais dire que c'est... Vu que là, ici, 4 pièces manquantes, je suppose que c'est les 4 là. C'est bizarre. Ok, c'est quoi ça? Augmentation de la berne. Oh, c'est pas mal ça. Je comprends pas tout. Et du coup, à quoi sert... À quoi servent les archanges par rapport à ça? Ou plutôt l'inverse. À quoi sert cette voiture? Ces voitures-là, enfin, la Magnum Opus de base, la Dairola, à quoi elle sert par rapport aux archanges? À moins qu'on puisse déjà améliorer. D'accord, maintenant sélection.
Ouais, je sais pas. En fait, je comprends pas. C'est très bizarre. D'ailleurs, j'ai pas des nouveaux trucs. Ah non, il faut encore que je monte de niveau. Ouais, peut-être qu'on passe d'ailleurs voir Griffa. Faudrait que je me renseigne sur cette histoire, parce que là, je comprends pas tout. I had no use for the likes of you, but as you can see, we are fading quick here. What are you getting at? Help us establish some necessities, and you'll benefit greatly. I'll see to it personally. I'll take a look. The night promises. Fine, driver. Look around. The essential utilities we are lacking are plain to see. D'accord, en fait, il y a des morceaux de la... comment ça s'appelle? Ah, de la forteresse qui sont... qui ont disparu, il faut récupérer des plans. J'en ai déjà trouvé quelques-uns. Enfin, j'en ai trouvé un dans une des charges, donc il faut aussi fouiller les décharges. Voilà, ici j'ai 1 sur 4. Formez une équipe qui récupérera de la ferraille quand vous ne jouez pas. Requiert une connexion en ligne. Ah, c'est sympa ça. Les gens qui bossent pour moi, c'est toujours cool. Ok, Chum a une mission pour moi. J'ai toujours pas compris ce que c'était que la Jack, faudra vraiment, vraiment que je me renseigne. Donc, qu'est-ce que tu veux, toi? He's got a survival instinct, that little one, huh? I think he would have sought shelter inside my old buggy. The buggy and the dog would have their uses. Mais elle est où son... c'est où son buggy? Retournez à l'épave qui sert de cachette de Cham et ramenez le... Ok, ça doit être une mission optionnelle. Une facultative, d'accord. Oh. Ah. Un peu de ferraille. D'accord, il faut livrer 500 de ferraille, ouais, laisse tomber. Sinon, je dois faire quoi d'autre? On va voir ça. Ils disent quitter la forteresse, mais pour faire quoi? Oui, les points d'observation, je sais comment ça marche. La menace. Je sais comment ça marche aussi. Les camps, je sais comment ça marche aussi. Ça réduit la menace une fois qu'on libère un camp. Trouver la carrosserie requise. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas trop ce qu'on fait. Du coup, ce que je vous propose, on va aller voir Griffa augmenter notre max. Du coup, en passant, je pense qu'on fera les deux petits camps qui sont là. Ensuite, je regarderai combien de temps la vidéo fait. Et on regardera si on fait pas un autre camp à côté. Histoire de conclure la vidéo. On verra après, je vais essayer de me renseigner sur ce que c'est cette histoire de Jack. Parce que je comprends pas du tout ce que c'est. Alors. Je vais voir Griffa. Elle va vite la bagnole. Et c'est vrai que j'ai équipé le... Elle a pas eu de dégâts, tu m'expliques? On va sauter. Waouh. D'accord, niveau 4 requis. Est-ce que ça va lui arracher? Je dois pas pouvoir lui arracher en fait. T'es en train de se battre, c'est n'importe quoi. Non! Mais quel abruti! En plus, c'est moi qui me fais défoncer là. Je me fais tirer dessus en plus derrière. Attendez, hop. Viens là, je vais défoncer ta réserve d'essence. Ah merde. Du coup, je crois que je l'ai raté. Oui, je l'ai raté étant donné qu'il me fonce dessus. Voilà.
It needs repairs now. Ok, on va récupérer un peu de ferraille et ensuite on va filer voir Griffa parce que là c'est n'importe quoi. Coco mon petit Griffa. Pourquoi il y a des gens qui hurlent quand on s'approche de lui quoi? Once you had everything. Purpose, love, family and friends. They ripped it all from you. You drifted far from what you were. But you still lie inside. Dormant, waiting to rise again. No, this is what I am. Maybe not. Perhaps you fear him you carry inside. That he'll hurt you with his weakness. Enough. Very well. Let's have a peek what you've hidden within. Come out. Ça y est, il m'a soufflé à la gueule, je suis content. Donc, hop, augmenter la volonté. Pour récupérer des trucs. La longévité. Plus de munitions. J'ai plein de points, donc je peux y aller en fait. Il me reste quoi, 9. Là, il y en a 4, 6, 8. Allez, je pourrais pas mettre tout. Plus de santé. Moins de carburant. La baston. Il m'en reste 3. Toc. Pour l'instant, ça doit aller. Ça y est, on a amélioré le maxou. On est bon. Ensuite, je regarde mon chrono. Ça fait presque 40 minutes que je joue. Donc avec le montage, évidemment, ça fait un peu moins. Mais je pense qu'on va du coup arrêter là. La question est, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Jacques? Et qu'est-ce que c'est que cette mission? Trouver la carrosserie requise? What? Je comprends pas tout. Je vais regarder sur internet pour le prochain épisode. Comme ça, je pourrais vous dire qu'est-ce que c'est que cette histoire et comment ça marche. Bon, et ben du coup, je pense qu'on va arrêter là l'épisode. J'espère que ça vous plaît. Moi, ça m'éclate vraiment. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. À la partager aussi cette vidéo, c'est très important si elle vous a plu ou pas plu. Là, petit like. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Et à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.